Après les sports, l'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kirzek. Les pharmaciens Giffard, au cœur de votre santé, vous présentent l'info santé. Bonjour Gérald. Bonjour docteur Samuel. Oui, quasiment. Je rends mon titre, hein, je n'y prétends pas. On vous retrouve tout à l'heure bien sûr à 11h30 pour questions de santé. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un problème dermatologique, la rosacée. Pour commencer, qu'est-ce que la rosacée exactement? Oui, c'est la coupe rose, on a tous entendu parler de la coupe rose. La coupe rose, c'est une partie de la rosacée qui est une maladie de peau qui va toucher les petits vaisseaux du visage justement et qui va favoriser les rougeurs, la coupe rose, mais parfois il y a des lésions un peu plus importantes. C'est ce qu'on appelle la rosacée hypertrophique avec un épaississement de la peau. On voit ça, vous savez Samuel, au niveau du nez qui est augmenté un peu de volume, qui devient rouge, qui peut être dilaté. Oui. Donc voilà, tous ces signes, ça s'intègre dans la rosacée. Est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent son apparition? Alors généralement, ce n'est pas les enfants ou les adolescents, mais c'est plutôt une deuxième partie de vie, 30 à 60 ans. Ça apparaît sur un terrain génétique avec une combinaison, et c'est très souvent le cas, c'est une combinaison de l'environnement avec des facteurs génétiques. On a un terrain prédisposé, on a un terrain génétique, et puis il y a des facteurs comme le facteur météo par exemple, l'exposition au vent, l'exposition au soleil, les bains très chauds qui vont dilater un peu la peau et qui vont favoriser cette coupe rose et cette rosacée. Et puis il y a des facteurs alimentaires également comme la consommation d'alcool ou la consommation d'épices. Tout ça va contribuer à ce que ces petits vaisseaux de la peau vont se dilater, parfois éclater, ça favorise la rosacée. Gérald, est-ce qu'on peut en guérir? Et si oui, quels sont les traitements? Alors c'est une maladie qui n'est pas une maladie très grave, mais qui est plutôt gênante socialement. Alors on peut ralentir l'évolution, on ne peut pas la guérir définitivement, elle n'est pas grave, elle est gênante, on peut ralentir si on prend très tôt ces lésions, notamment avec le laser qui va permettre d'aller fermer, coaguler ces petits vaisseaux. Et puis il y a des traitements médicamenteux qu'on peut appliquer localement, notamment pour la forme hypertrophique, celle où il y a un épaississement de la peau, et bien certains médicaments localement peuvent être efficaces. Ça peut aller jusqu'à la chirurgie qui peut enlever un peu ces lésions. La chirurgie et les dermatologues le font très bien également. Et puis encore une fois, deux choses pour limiter l'apparition. C'est un, on diminue l'alcool, voire on supprime l'alcool. Oui. Et deuxièmement, c'est attention à tous ces facteurs qui vont atteindre et qui vont léser la peau. Donc il faut protéger sa peau. On en parlera tout à l'heure à 11h30. Merci pour tous ces bons conseils Gérald. Et on vous retrouve tout à l'heure effectivement à 11h30 pour questions de santé.